Il était une fois dans la savane africaine, Bobi. Bobi habitait un beau village à côté de Ombo, le Baobab géant. Bobi était le plus petit de ses habitants, parce qu'il était un Ouistiti. Mais ce n'était pas très gênant, parce qu'il était aussi le plus dégourdi. Youssou et Youssan étaient frères et sœurs. Ils s'amusaient souvent avec Bobi, à courir autour d'Ombo, ou à se poursuivre devant les cases de leur village. Ils aimaient aussi jouer près de la mare pour y rencontrer les animaux. Ils les connaissaient tous, la famille des éléphants qui mangeaient tout le temps, les hippopotames qui prenaient leur bain, les girafes au long cou qui effeuillaient les acacias, la gazelle qui écoutait tout et regardait partout, la grenouille qui faisait des bonds et aussi les grands pélicans qui volaient au-dessus des tamariniers remplis d'oiseaux de toutes les couleurs. Leurs parents n'étaient pas toujours très contents, car ils devaient aussi faire leur travail. À la maison, les enfants devaient s'occuper des poules, des chèvres et aussi du grand zébu. Mais un matin, Bobi dut bondir jusqu'à la case de ses amis pour crier. Youssou, Youssan, debout, réveillez-vous, notre mare a disparu. Ce n'est pas possible, dit la petite fille qui s'était réveillée la première. Ce doit être Bobi qui nous a encore fait une farce, dit le petit garçon. Je vous raconte pas d'histoire, venez voir. Les enfants sont affolés. Les bêtes et les gens ne pourront plus boire, dit Youssan. Nous ne pourrons plus nous amuser à sauter dans l'eau ou à nous éclabousser, dit Youssou. Les parents et les enfants ne pourront plus faire leur toilette, dit Youssan. Tu sentiras mauvais, dit Youssou. Et vous attraperez tous de vilaines maladies, ajouta Bobi. Bobi était dégourdi et entreprenant. Il décida de partir immédiatement à la recherche d'une nouvelle mare. Tous ses amis le suivirent, Youssou et Youssan bien sûr, mais aussi les éléphants, les girafes, les pélicans, la gazelle, sans oublier la petite grenouille. Une longue colonne avançait dans la savane toute jaune. Ils avaient marché pendant 10 heures, sans rencontrer la moindre petite flaque, quand ils arrivèrent devant une épaisse forêt toute noire. Bobi était dégourdi, entreprenant et vaillant. Courage, les amis! Traversons cette forêt rapidement et espérons que tout se passera bien. Ils avaient du mal à marcher à travers tous les grands arbres de cette forêt. Quand soudain, la grenouille se mit à faire des bonds si haut que ses amis croyaient qu'elle voulait apprendre à voler. C'était un boa de moins 100 mètres qui volait la vallée. Bobi était veillant et futé. Il appela ses amis les éléphants pour qu'ils écrasent la queue de l'afro-serpent. Ça t'apprendra, vilaine bête, à vouloir manger notre amie la rainette. Ouf! Ils continuèrent leur chemin. La forêt leur avait fait très peur, avec tous ces bruits bizarres, tous ces bruits étranges qu'ils ne connaissaient pas. C'était la gazelle qui avait su les rassurer. Elle avait su reconnaître les grognements du phacochère et les petits cris de la civette, qui n'étaient pas du tout dangereux. Ils sortirent enfin de cette forêt sombre pour découvrir cette fois-ci une savane toute verte. C'est alors que les grandes girafes aperçurent au loin, au-dessus des grandes herbes, une drôle de petite maison. Ils étaient tous pressés de s'y rendre. Pour aller plus vite, les petits montèrent sur le dos des grands animaux. Tous s'étonnèrent. Qui peut bien habiter une hutte aussi petite? Demanda Youssa. Peut-être une fourmi? Répondait Youssou. Chut, écoutez. Des Bobi. C'est alors que, de la maisonnette, sortait une voix très curieuse qui leur dit
Je connais l'endroit que vous le cherchez. Entrez donc chez moi, vous y trouverez ce que vous voulez. Bubi s'avança, mais ses amis lui crièrent. N'entre pas, Bubi! C'est peut-être un piège! Courageusement, Bubi pénétra dans cette étrange habitation. Il en ressortait fièrement avec une carte sur laquelle était dessiné à l'aide d'une belle couleur bleue un très long cours d'eau. Il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver jusqu'à l'eau. Mais les longues pattes des girafes ainsi que celles des gazelles les conduirent vite au bord d'une superbe rivière. C'est alors qu'on vit les éléphants utiliser leur longue trompe. Ils aspirèrent l'eau pour en remplir les grandes poches de dessous des gros becs des pélicans. Au soleil, l'eau brillait comme des milliers de petits diamants. Petit à petit, le Ouistiti et ses nombreux amis ont rempli la mare de leur village. Il paraîtrait qu'aujourd'hui encore, Youssou et Youssan jouent à côté de leur trésor. Vous pouvez me croire, c'est Bobby qui me l'a dit.